Michou et Elsa officiellement en couple. Yo tout le monde, c'est Niron. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on va directement parler de Michou et de Elsa qui viennent enfin d'annoncer qu'ils étaient en couple. En tout cas, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à rester sur la vidéo, lâcher ton plus gros like et on est directement parti pour cette vidéo. Et ben, on va directement annoncer le sujet. Et ben, on va directement parler de Michou. Qui est enfin, qui vient enfin d'avouer qu'il était en couple avec Elsa. En tout cas, tout le monde s'en doutait un peu, mais vraiment, il n'osait pas le dire ou quoi. Mais après, ça se voyait un peu au story, comme j'avais pu vous montrer dans la dernière vidéo. C'est pour ça, les gars, ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Mais pour cela, et bah les gars, je compte sur vous pour liker et activer la cloche des notifications, les gars. Vraiment, il faut s'abonner et activer la cloche des notifications. Au moins, vous pourrez voir les prochaines vidéos. Car les gars, ça, je l'avais totalement prédit. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de ce fameux couple et tout. Je vais directement vous montrer les preuves. Car là et tout, là, je parle, ouais, machin. Mais derrière, vous avez aucune preuve. Que là, je vais directement vous montrer les preuves. Et vous allez voir que c'est réel. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Moi, personnellement, ça me fait super plaisir que ce couple se soit formé et tout. Ça se voyait un peu. Surtout qu'ils ont failli gagner dans Danse avec les Stars et tout ensemble. Elsa l'avait plaqué son mec. Au début, tout le monde croyait que Elsa allait directement aller avec Inox Tag. Sauf que Inox Tag est en ce moment sur la sirène. Enfin bon, c'était tout un bazar. Et là, du coup, c'est officiel. Et voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rester sur cette vidéo là juste après. Je vais vous mettre ma dernière vidéo. Genre, là, il va y avoir un extrait de ma dernière vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez voir ce que j'avais conclu. C'est à la fin, les gars. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir ce que j'avais conclu à la fin de ma dernière vidéo. En tout cas sur ce, c'était Niron, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche de notification. Et je te laisse directement regarder ça. Du coup dans la première vidéo qu'on va directement analyser, on peut directement voir Elsa qui va apprendre à Inox Tag à danser. Sauf qu'on va pouvoir voir derrière que Michou est plutôt jaloux qu'elle montre à Inox Tag comment danser. Je vous laisse regarder. Apprends-moi pas de danse. Vas-y, attends, je me lève. Mais c'est trop dur. C'est ça. Et là. Dans la deuxième vidéo, on va directement pouvoir voir Michou qui est à Dubaï et qui regarde directement Koh-Lanta. Sauf qu'il annonce directement qu'il y a quelqu'un qui lui manque. Je vous laisse regarder le clip. En tout cas, vous allez découvrir qu'il y a peut-être moyen que ça soit Elsa. Eh les gars, y'a Koh-Lanta, même à Dubaï ça regarde Koh-Lanta frérot. Là à Dubaï là il est minuit 20, ça veut dire qu'en France il est 21h20. Donc Koh-Lanta va commencer, a même peut-être commencé. Donc là je vais aller sur mon tel, my TF1, Banks. On va regarder Koh-Lanta mon grand. Attends c'est important, même à Dubaï on suit. Mais bon, Koh-Lanta sans Elsa, sans les sushis, c'est pas un vrai Koh-Lanta quoi. Dans la vidéo qui suit, on va directement pouvoir voir Michou qui se rend compte que Elsa est à Webmedia. Du coup, il décide directement d'aller à Webmedia. En tout cas, je vous laisse regarder. Mais en tout cas, on peut vraiment se douter qu'il y a eu ou qu'il va futurement y avoir un truc entre Michou et Elsa. Mais on verra ça en fin de vidéo. Donc c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je compte sur toi. Et n'hésite pas à lâcher ton plus gros like et ton abonnement, ça soutient énormément la chaîne YouTube. Attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui est à Webedia et qui déclare pas. Il y a quelqu'un qui vient à Webedia qui me prévient pas, ça va pas du tout. Ah,
Ah le bâtard. Ah je crois que c'était Thierry. C'est quoi là? C'est que tu préviens pas. T'es à Webedia, tu préviens pas. Dans la vidéo qui suit, on peut directement voir Inoxtag qui lance la balle à Elsa. Elsa va directement la rattraper. Puis après, Michou et Elsa vont jouer un peu au foot. En tout cas, je vous laisse regarder. Mais vraiment, moi, ça me fait comprendre qu'ils sont en couple. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, on va directement regarder ça. Et on en fera une conclusion à la fin de cette vidéo. Carrément en entraînement. Oh bâtard. Oh bâtard. Regarde, regarde, regarde. Passe décisive. Elsa. Elsa, passe décisive. Oh putain. Attends, contrôle. Oh non Elsa, non, là c'est trop là. Le contrôle était mauvais. Michou, contrôle. Oh non, c'est mauvais. Il se passe bien l'entraînement ou pas? Vous êtes chaud? Mec, ce soir vous gagnez. Hein. Je vous le dis moi. Il y a un terrain que vous gagnez. Il faut que tu gagnes mec. Gagne putain de merde. Dans la vidéo qui suit, on va directement pouvoir voir Inoxtag qui fait vraiment un mouvement très bizarre avec ses sourcils au moment où on parle de Elsa. Est-ce qu'il ne serait pas en crush un peu sur Elsa? Car on va pas se pitoyer que Elsa, elle est magnifique. En tout cas, c'est vraiment à savoir. Mais vraiment, ça me paraîtrait très très bizarre. En tout cas, je vous laisse regarder le clip. On va bientôt faire une vidéo Michou avec Elsa. Tu kiffes en vrai de la danse? En vrai, c'est un truc de ouf, ouais, je suis trop content. Parce que je me rappelle de toi, t'étais pas extrêmement à l'aise avec le rythme et tout, la danse. Ouais. Mais là, ça t'a fait faire des efforts de fou. Bah ouais, justement, j'avais peur du premier entraînement. Parce que déjà, vas-y, tu rencontres ta partenaire, si ça se trouve, tu t'entends mal, on sait jamais. Et je me suis dit, imagine, j'aime pas la danse et je le vis comme. Vas-y, faut aller faire ça. Mais de base, t'as zéro dansé, genre. Ah non, j'ai zéro passe de danse. Ouais, mais t'es quelqu'un d'extraverti de base. TikTok, j'ai du mal à les reproduire. Ouais, ça, c'est un train, train pour la faire. Ah ouais, t'es où? Ça se voit. Moi, j'ai pas critiqué, frère, je danse zéro. Eh, t'as vu, pendant une heure, je recommence le TikTok, je refais la choré, je suis fatigué à la fin. Et au bout d'un moment, ça passe, je fais vas-y, c'est bon, je la veux. Dans la vidéo qui suit, eh ben, on peut directement voir Michou qui est avec Elsa dans une voiture. Mais il lui demande quelque chose de très très bizarre. En tout cas, je vous laisse regarder. Mais si vous n'êtes pas idiot, vous allez comprendre. Eh, hey, tu peux faire une dédicace pour Miguel? Tu m'as s'il te plaît. Pour Miguel, fais une dédicace. Mais tu vas jamais me lâcher. Mais s'il te plaît. Mais fais une dédicace à Miguel. Ah mais on passe 5 heures ensemble par jour, ça va, je t'en fais assez des dédicaces, non? Bah non, là j'en veux une dans mon tel. Mais fais-la. S'il te plaît. Pardon. Tu fais quoi? Je te fais une grosse dédicace. Oui. À Miguel. Je oui. Fais plein de bisous, petit Miguel. Oh, j'ai ma dédicace. Les gars, je profite qu'il y a Elsa à Webedia. On range le studio. Arrête. Mais je te mets une couronne. Oh, gentille. Mais grave. Oui, mais Elsa, c'est toi la reine. Et allez, frérot, c'est les quarts de finale aujourd'hui. Les quarts de finale, mon grand. Oh là là, j'ai encore un bouquet de fleurs. C'est dingue, chaque semaine, on m'offre des fleurs. Mais il y a quelqu'un qui m'aime en secret. C'est pas possible autrement. Elsa, c'est toi les fleurs dans ma loge? Peut-être. Dis la vérité, c'est toi ou pas? Je saurais jamais. Moi, je pense que c'est elle, les gars. Je pense qu'Elsa m'aime en secret, mais elle assume pas. Je suis ton admiratrice secrète. Bon, les gars, les répètes, c'était 11h, là, hein. C'était 11h, hein. Il est 11h06. Le retard là, c'est comment? C'est dingue ça. Toi. Quoi? Tu peux parler toi. Pourquoi? Je suis pas en retard moi. T'aimes bien mon flash? Purée. Ok, ça marche. Ouais, parfait, on fait comme ça. Bisous. Vas-y, bisous. À bientôt. T'es chiant. Du coup, ma conclusion, c'est directement que Michou, il en crush sur Elsa. Mais n'oublions pas que Elsa, elle a un petit copain. Du coup, ça ferait peut-être que Elsa trompe son petit copain. On ne sait pas trop du coup. Donc, on verra dans le futur et tout avec le temps qui va passer. Mais vraiment, ça risque de former un couple à la fin. En tout cas, je vous laisse là-dessus. C'était Niron. N'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche des notifications. En tout cas, je compte sur toi. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Ciao les potes.